Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle Bolanda Biso à travers magazine Biso Yokabaz. Isa Wabino le sénateur Marcel, tu es le sous-sous Natongwa Lelo. Tout met un peu pour partager situation politique et sécuritaire Yamboka na Biso. Isa toujours ko inquiété beaucoup de Congolais la partie est na Biso. Le Congo est victime d'un complot international comme je l'ai toujours dit. Na moment où nos ennemis bazalaki en perte de vitesse na niveau ya est wana après tentative na bango ya ko occuper oyezalaki mweso nos forces de défense nos FARDC ainsi que nos patriotes wazalendo avaient réussi à ko bouter wango dehors. Alors na kanda wana on a vu l'armée ougandaise ne s'est plus cachée avec au prêté main forte na armée RDF ya Rwanda ainsi que les terroristes M23 pour nako sala encore assaut na Mweso. Voilà, ils vont larguer des missiles ou causer qui ba pertes en vie humaine ou certains Congolais ba koufa qui ba paisible et ba koufa qui na kati ya Mweso. Mais à l'heure actuelle Mweso za qui est déjà sous contrôle ya ba far bisi na biso ba maîtriser de la situation. Mais tout le monde qui bangoumi en boka na biso ba tika kite parce que comme Kagame cherche par tous les moyens toujours ya ko piller nos richesses par la complicité à la grande puissance, tout le monde ko recosé ko s'organiser encore avec l'armée ougandaise pour na ko mener ba assaut final na bango pour et pas il pense que ko quoi sa goma pour et ba ko contraindre les chefs de l'État à négocier avec eux. Voilà pourquoi balagage encore ba missile na niveau ya Goma oyé causé ba psychose na kati ya population et puis na kati ya chacha ya colline ya commune ya chacha ya chacha to monaki comment nos FARDC ainsi que les wazalendo ba menaki ba action kuna ba meté ba bengé pe ko pionner ba position ya ba RDF na M23 au ba occupa ki chacha. À l'heure où nous vous parlons, la situation est sous contrôle na kati ya colline ya chacha ya chacha. Donc ba paisible citoyen ou ba kimaki ba bandi ko zonga ko récupérer ba domicile na bango malé parce que présence ba militaire na biso ya ali sur place na kati ya colline ou commune ya chacha. Mais na moment otoloba il y avait d'intenses combats ou banda ki depuis hier aux alentours ya Changungu parce que nos forces de défense nos FARDC ba bandi ko pilonner ba position mingi ya ba RDF avec l'armée avec appui à armée ougandaise avec les terroristes M23 to monaki na moment de brisier ba militaire na biso ainsi que les wazalendo ba ndeko bunda y avait d'intenses combats aux alentours ya Changungu wana et puis l'axe Goma Sake et Minova ezala qui coupé par les terroristes M23 et l'armée rwandaise. Normalement, déjà depuis hier, déjà, ils ont sous contrôle la FARDC ainsi que les Wazalendo. Au moment où la route est réhabilitée par nos forces de défense, c'est un peu que j'ai mis ça qui m'y a. Mais psychose, il y a toujours la carte, parce que l'ennemi tient à tout prix par la bénédiction à la grande puissance, Koko et Sagoma. Voilà pourquoi, Bissot, en tant que Congolais, situation sécuritaire, ils ont préoccupé Bissot au plus haut niveau. Voilà pourquoi Tolobaka chaque fois que tellement que notre pays est victime d'un complot international, tout le monde est sous la SADC qui avait jugé bon à prêter des sommes fortes, bah qui n'a pas connu ça pour aider l'armée congolaise pour en finir une fois pour toutes avec cette barbarie à l'ennemi Nabiso rwandais ainsi que les M23. Tout le monde est le haut au bac avec une motivation. Par l'entremise, il y a commandant à SADC ainsi que notre VPM, il y a affaires étrangères, le Tundula. Bah, c'est sûr que la mission de la SADC est offensive. Donc, bah, il y a qui pour nous aider à bouter dehors bah, ennemi en Mboka na Biso, qui est l'armée rwandaise ainsi que bah, complice naé terroriste M23. Mais à notre grande surprise, à l'heure où nous parlons, la SADC ainsi que le Burundi. On dit qu'on soit pressé aux États-Unis pour que la SADC a mis un peu qu'on lâche à combattre à côté à faire des CT
pour que ameka un peu kosenga na gouvernement congolais à négocier avec le Rwanda. Chose qui nous étonne aujourd'hui, c'est les États-Unis par l'entremise il y a Anthony Blinken, c'est lui qui mène la diplomatie pour soutenir le Rwanda. Tout le monde comment zotambola à Kenangola, à Okinangola, à Ena, na Rwanda, à zotambola ça et là pour na koluka toujours pour na yé. A mon avis, que la solution à ces problèmes, ils allient que le Congo doit négocier avec les M23. Voilà pourquoi tu vois toujours que ces complots-là, qui datent plus de 4 décennies, et c'est la tissu noir sur blanc, côté Nini, les États-Unis, et soutenir. Moi, je pense que les Congolais, bah, plus ou moins 12 millions de Congolais, pour les Américains, et ça lit et l'autre côté pour eux. Mais à l'heure où nous parlons, tout le monde Roubaix, qui s'est dit Congolais, qui a été vice-premier, vice-président dans ces pays, dans une conférence, dans des réunions avec des Tutsi pour plaider pour la cause, il y a Mokanabango et Zalaki Rwanda. Bon, ça a levé des fonds pour na, soutenir Kagame, la basale besoin oiseau causé dans Mokanabiso. Mais lui qui s'est dit Congolais, il fut vice-président dans ces pays, il fut député dans ces pays. Il s'est dit Congolais, mais ils ont plaidé pour la cause à Batouchi. Et ça, paradoxe. Voilà pourquoi, Bissot à Congolais, par moment, nous devons prendre des mesures moko contraignantes contre ces Rwandais. Je l'ai toujours dit, tant que tu auras des gens courageux étaient pour la démontrer à la face du monde qu'au Congo, il n'y a pas de Tutsi Congolais. C'est ça. Moi, je pense comment cette question est que sera un tabou au Congo pour dire tout haut qu'on a à la face du monde que. Au Congo, nous n'avons jamais eu de Tutsi Congolais. Ce sont des Rwandais. Parce que, ailleurs, ils se présentent comme des Congolais. Ils ont voyagé dans le passeport congolais aux États-Unis, mais ils ont plaidé pour la cause de Rwanda. C'est paradoxe. Moi, je pense que les Congolais sont tellement complaisants à cette question. Voilà pourquoi les gens que nous avons reçus dans ces pays, comme des réfugiés, les gens ont armé pour nous imposer. Les alliés volontaires à Bangou. Nous disons non. Voilà pourquoi tu es au dans l'autorité congolaise. Encore une fois de plus, Bamekan MP causera des décisions courageuses pour sauver ces pays. Parce que ces pays sont victimes d'un complot international. Bon, à chaque fois que le pays n'a sur la sous-région, il va aider Congo. Au moins, comment les États-Unis vont faire pression dans le pays Wana. À l'heure où nous vous parlons, Burundi et Sibir ba pression américain. La SADC mêmement pour que ba aider Congo ti. Tomoni Anthony Blinken après qu'on tombe en Afrique, a auto Kenya na Kenya. Pour ko senga Uhuru Kenyatta qui fit jadis parrain ya Félix Tshisekedi na l'élection 2018 que Félix Tshisekedi a négocié avec les M23. Moi je pense que Ezali insulte à l'égard du peuple congolais. Pendant que Anthony Blinken et les États-Unis ne tiennent pas compte, il y a plusieurs morts au Bakou Fana Congo, jour pour jour, causés par le Rwanda et le M23, mais pour eux, ils veulent défendre toujours le Rwanda, pour toujours maintenir le Congo à genoux. Nous disons non. L'heure maintenant est grave, que les Congolais comprennent, on va voter le chef de l'État, tous, pour se ranger derrière notre chef de l'État. Parce que le complot auquel Congo fait face, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi, mais contre la nation congolaise. Oh, on a notre offert parti. Ton mec un peu qu'on mettre de côté. Oh, Ezali, bah, ego, nabiso. Oh, Ezali, bah, parti, nabiso, te défendre intérêt à Moka. Parce que le Congo est en danger. Ton moni, combien les États-Unis, l'élo, y'en a mis qu'on mène diplomatie pour le Rwanda. C'est grave. Pendant que c'est le Congo qui est agressé. Et on intérêt à un pays qui est agressé, bah moyen de défense à se défendre. Moi, je pense que nous disons non. Voilà pourquoi Bissot va Congolais, tout mettre un peu côté élément, tout se ranger par des manifestations, des grandes envergures, pour dire non à ces complots contre notre pays, par les États-Unis et toutes ces grandes puissances, notamment la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Voilà pourquoi Bissot va Congolais, ton mettre un peu côté élément. Parce que ces complots, nous risquons. Comment est-ce que Batou Obso to yambi na mboka na biso de Rwanda? L'a imposé biso ali volonté na bango. Nous disons non. Tout temps dans la classe dans ces pays, dans l'histoire, na mboka ou. Parmi
250 tribus, il n'y a jamais eu de tribus touchées dans ces pays. On doit dire des choses telles qu'elles sont. Nous devons lever les voix, hausser les tons. Qu'on l'a qui ça à la face du monde que au Congo, il n'y a pas de Rwandais ou de touchés congolais. Il n'y en a pas. Ce sont des Rwandais dont leur pays, c'est le Rwanda. C'est clair que ça. Moi, je demanderai à certaines autorités à Congo, ministre d'information, Moussa Nezani, chaque tribu wana que les Congolais ba lobe makambo wana ba faire entendre leur voix, parce que aujourd'hui ces gens-là ailleurs aux États-Unis ailleurs ba zo considérer comme ba Congolais touchi, pendant que au Congo il y a pas de tribu touchi Congolais, il y en a pas. Les Banyamulenge, il y en a pas de, il y a pas de, ils ont la tribu au ben Banyamulenge na Congo, ça n'existe pas. Ce sont des Rwandais que nous avions jamais tu as dit ba on a mboko na biso depuis 1959. La première vague. Et puis la deuxième vague est en 1994, après génocide, guerre à Rwanda. Mais les Oyo, ce sont les mêmes gens au Toyabi dans le cannabis, maintenant, Babouma Congolais, Bassini Mindouki, pour la tourner contre Bissou. Mais comment est-ce que Bino dit que vous avez tout Congolais? Mais pourquoi est-ce que vous défendre Kagame? C'est paradoxe. Voilà, Isaïe Biloko Oyo, Bassige Oyo et Senga. Bah autorité à Congo, bah mais au pays sa jeunesse que nous sommes, espace même dans la chaîne nationale pour mettre un peu colombien et loco oyo. Et ce n'est pas un sujet tabou. Comment Congo comme Kobanga bah Rwandais la carte à Mokanaï. Il s'agit paradoxe. On a connu des ministres rwandais dans ces pays. Mais dans Rwanda ça possible était. On a vu des ministres rwandais bah c'est bien la carte gouvernement où. Notamment où ils ont dit Gisaro sont des Rwandais. Gisaro fit directeur et cabinet à Rubéroa. Tant à Zalaki, vice-président, na tant où il y a 1 plus 4. Tant où il y a commis Congolais. Eustache Mouandi. Tous ces gens sont des Rwandais. Hein? On ne peut pas se voir la face. Sont des Rwandais. Ils veulent nous imposer leur dictée dans notre pays. Nous disons non. Congolais, faut tout tellement. Tobi Mnakati a carcan a imposé Bissot par des Rwandais. Des Rwandais commencent à nous faire perdre notre pays. Nous disons non. Totalement. Les Congo est victime d'un complot international autour de Baao. Déjà, Bateau a déjà Congo avant Félix Tshisekedi. Il a infiltré tous les systèmes dans Congo. Système de défense qui a infiltré. Gouvernement. Nakati a parlement congolais qui est infiltré par des Rwandais. Ils ont un plan bien élaboré. Au jour où, à l'heure où nous parlons, système de défense n'a biso est infiltré par les Rwandais. Allez-y comprendre. Pourquoi tous ces généraux, eux, ils ont été partis est et wana. Nani a salaka choix y a la généraux wana, baki na parti est. Celui-là aussi doit être complice. Président Afumula Misu. Il y a beaucoup de gens autour de lui. Même dans son cabinet, bah, on s'est allégé de l'ennemi. Toucho landa awa un opposant Uganda ucho no bayango alobi le di nzambe a le c'est-à-dire Dieu a tout donné à la RDC sauf des leaders et ça lui insulte. Alors lui, comment est-ce que les politiciens qu'on leur devant l'argent ils n'ont pas étudié devant Mongo bazali bato de bataille classité. Alors comment est-ce que ces opposants, ces politiciens ne peuvent pas aider les chefs de l'État pour faire développer le Congo? Voilà un opposant ougandais. C'est grave. C'est grave. Bacho ministre wana, on a pour nous s'enrichir. Bacho ministre, aux gens qui pauvres, aux gens qui locataires, aux comme millionnaires. Tout ça au profit de la Rwanda. Il y a beaucoup de collaborateurs autour des chefs de l'État qui font le jet de l'ennemi. Beaucoup de officiers supérieurs, des généraux au front, Bazawana, Baza, Baliaka, na Mamel ya Kagame. C'est ce que les policiers. Il y a beaucoup de généraux au Baza na ba quintance na ba Rwandais. Mais vous pensez que vous poste la responsabilité. Et à quand guerre écocide? Comment est-ce que les Congo qui est agressé? Et nos services à défense bah vous allez à la défensive au lieu d'attaquer bateau bah occuper jadis illégalement les territoires congolais bino bah vous allez à la défensive et ça lui paradoxe.
est-ce que pourquoi ne pas attaquer toutes les positions? Il y a M23 dans un mois, dans deux semaines, guerre ou même aussi là. Mais pourquoi aujourd'hui la carte que le M23 a attaqué d'autres territoires pour mieux le défendre? Et là, ça a une complicité. C'est clair que ça. Parce que moi, je pense que les États-Unis ont attaqué une minorité. Que Kiba a attaqué les États-Unis et j'ai quelques villes des États-Unis, États-Unis à Zélaka, à Zoua, bah, laissons ailleurs. Je ne pense pas. Et le Rwanda, c'est la majorité. Voilà comment les Congos ils ont immigré sur le niveau 1. Parce que les Congolais sont des hommes capables d'être pour défendre Mbokanabango. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'armée, l'armée est infiltrée, si dans moi le pinière. La plupart des généraux, wana, baza, beaucoup d'entre eux, baza la d'origine rwandaise. C'est ça la vérité. Au moment de Bango, l'armée est en train d'attaquer au nom repli stratégique. Quel repli stratégique? Pendant que l'ennemi est en train d'attaquer, l'ennemi a Zoboma. Peuple congolais, il y a aussi la repli stratégique. Quel genre de bêtise, wana? Voilà pourquoi toujours l'Oba. Que le chef de l'État a mis un peu la mise sur la situation à l'Est. Tout le monde a dit, awa, lorsque les patriotes ou Azalendo, bandaient pour mener l'action sur le terrain, tout le monde a dit comment guerre on est bandaient au Kenya aussi là. Dès lors que le FARDC a eu contrôle, tout le monde a dit l'enterre ouana et s'est rigé dans la partie Est. Peuple a connu au coup du jour au jour et ses militaires sont là. Le président a doté Bino. Loi de programmation qui n'a jamais existé. A PC a tché 1,6 milliard de dollars dans l'armée. A somme armement à Makassi, bah avion de chasse, bah drone CH4, a tchango au profit de l'armée congolaise. Mais pourquoi cette armée est incapable de bouter ennemi dehors? Voilà toujours le bas que les chefs ont comprendre que tous ces généraux commerçants bah aider Mboka OT. Et puis s'il continue à faire confiance à ses généraux, il va regretter plus tard et comment trop tard. Parce que tous ces généraux sont des commerçants. Sont des commerçants. On a vu comment autre bande ou ah on a qu'à quitter ba immeuble. Et pensez-vous que ces généraux ba ko aider que guerre on est ici là, ba ko bendango à la longueur parce qu'ils ont profité na bango, ba je viens bon ba ennemi. C'est ça la vérité. Que les chefs comprennent cela. Si on paie sa confiance, même ses collaborateurs bah, ont tournaillé, bah, ça, bah, j'ai un ennemi. Réfléchissons un peu. Au vu de tous ces généraux, au bas la partie Est, bah, ici dans le groupe armé, bah, aussi dans la CNDP, bah, aussi dans la RCD Goma, bah, ça, dans la compétence, dans la militaire rwandais, bah, M23. Et pensez-vous, ces généraux, au chef, à paie bah, responsabilité, bah, aussi sa guerre, wana. J'ai dit non. J'ai dit non. Chef, essaie un peu de comprendre. Bisso de foi, toujours avec formation, na kati a bateau, ba na kati a front. Hey, ces gens-là, ont une formation et pas na bango officiellement, et belé ba encore sa formation de Kuta. Et belé ba sa formation de Kuta. Tomoni a ba wazalendo, à un certain moment, ba koma ki na carence ba munition. Ba aussi ka ba munition, et je l'ai été, soit y'a na retard. Pendant que l'ennemi avance déjà. Bah, on a encore ces généraux. Bah, tiens, au commandant, il y a opération à Est. Au combat, ta place, il faut les athées. Au Vatican, à bureau, à Goma. Chef, vous devez comprendre. Les Congos, dans Otchouluba, ils sont victimes d'un complot international. Tout le monde, quelque part, la volonté chef de l'État, qu'on a dit, Mboka, oh. Mais aux hommes manqués, bah, collaborateurs, oh, bah, on a dit, na makambu oh. Parce que la plupart de mes collaborateurs na yo ba liaka na nzungu ya Kagame bato ba sala ka choix ya ba commandant ya parti est et je vous informe chef na kati ya état major général pourquoi sala ka toujours choix ya ba généraux oyo ba outre ba groupe armé pourquoi sala ka toujours choix ba généraux oyo ba na ba origine rwandaise comme oyo ba outre chaque commandant opération ya Goma ces messieurs là auraient des origines rwandaises. Ce messieur-là, n'a pas autant à commander, il a sa commandant Sikoyo, il y a opération à Goma. Pourquoi seulement Batouana? N'en a seul à cacher Batouana. C'est ce messieurs-là aussi, il est complice. Voilà pourquoi
tant ba fait ba infiltré qui système de défense na biso ba ba ko sala ngo ADC. Voilà combat au Félix Ajo Bunda na niveau armée, il y a des traîtres na niveau là, il y a la service sur intelligence, il y a des traîtres. Comment est-ce que ces militaires peuvent quitter Rwanda ou Ouganda bazo kota sur le sol congolais sans être inquiétés? Il y a un problème. S'il n'y a pas complicité, il y a trahison dans les chefs de nos FARDC. On a vu une vidéo qui circule. Un militaire a fustigé comportement à certains commandants dans les fronts. Ils ont exposé nos militaires dans les fronts pour leurs intérêts. La plupart de ces généraux sont des traîtres. Sont des traîtres. Moi, je pense que le président doit cesser de faire confiance à ces généraux. La meilleure manière, balobi, la confiance n'exclut pas le contrôle, chef. Pour mettre fin à tout ça, il faut monter un système de contrôle. Lequel système qu'on permet que tout le monde doit être contrôlé, doit être surveillé. Au principe, la responsabilité de Moutou, au tient Moutou de côté à contrôler. Au tient Moutou nous soit contrôlé au Wana. Je pense que ce qu'on établit un système Wana à tous les niveaux, moi je pense que on a une bonne information. Tant que je peux savoir toute confiance, Ming chef, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Avec tout arsenal, nous sommes au plan de l'armement. Avec mon qui a injecté la carte armée. Depuis l'indépendance, armée congolaise, même une dotation à marque en termes de mongo, en termes d'armement. Mais comment est-ce que cette guerre est loin d'être terminée? Parce qu'il y a des traîtres au sein de l'armée. Il y a des traîtres. Voilà pourquoi ton Seigneur, la chef de l'État, a mis un peu s'il continue à faire confiance à ses généraux, à ses collaborateurs qui travaillent pour le compte ennemi, c'est lui qui va regretter. Sans oublier que ses mandats ici, ils allaient mander à tous les âgés. Chef doit comprendre. C'est vous qui serez redevable au peuple congolais. Tout le monde il est au niveau à Goma. Bah, jeune, bah, télémi. Bah, tout mis drapeau aux États-Unis. Moi, j'encourage encore la jeunesse congolaise, battez les mains. Ton mec a un peu qu'on fustige le comportement américain contre notre pays. Les gens, ils veulent à tout prix que notre président a négocié avec lui. Nous disons, il n'y a pas de négociation. S'ils veulent nous tuer, bah, il y a. Bah, bon, tout le peuple congolais, n'a qu'à t'amabéli naï. Pour que Rwanda a tous ces minéraux, n'a continué. Parce que trop, c'est trop. Je reste congolais totalement. Tout le monde va manifester contre cette ingérence étrangère dans notre pays. Contre des dictats américains dans notre pays. Et puis à nos autorités, nous ne pouvons plus continuer à demeurer des bons élèves devant les Américains. Pour ce qui concerne l'intérêt en Mokanabissou. Parce que c'est notre pays qui est en danger. Jusqu'à quand nous devons recevoir des injonctions auprès de l'impérialiste? Le Congo, c'est un État souverain. Que nos dirigeants prennent des décisions courageuses et refusent tous ces dictats étrangers sur notre pays. Il faut prendre des décisions courageuses. Parce que sans ces décisions, Congo autre devrait toujours Bumba Rwanda. Les Euro, Bangwana Bazo Tambo aux États-Unis, des Roubaix et consorts dans des conférences. Il y a qu'on réunir des moyens pour financer Kagame. Pour en finir une fois pour toutes avec les Congo. Mais Bissot, qu'est-ce que font la diaspora congolaise? Bon, ça la nid. Diaspora, bon, ça la nid. Ils sont pour la refaire toujours dans l'autorité en Mouka. Au lieu de me taper dans la couleur, pour la défendre Mouka, Bissot, vous êtes là, dans vos chaises, critiquer inutilement, insulter vos dirigeants. Moi, je pense que la responsabilité revient aussi à vous, la diaspora congolaise. Tout le monde dit qu'on va au Rwanda, on va au contre l'officine, qu'on défendre l'intérêt en Bogana Bambo. Mais bien, vous êtes là dans des futilités. On va défendre Mboka au Zokindi. Mboka au Dovandi. Et ça, Mboka na Binote. Un jour, on va défendre la Bino, Bozoka na Congo. Mais si les gens, on va défendre Mboka, vous allez prendre ça à la GNN. Et le gouvernement congolais, la force à Kagame, ils ont une manipulation. La force, c'est la désinformation. Parce que c'est lui qui a l'information, c'est lui qui a le pouvoir. Tout le monde dit comment Rwanda a une grande armée numérique.
dans les médias. Mais pourquoi l'État congolais aussi ne peut pas aussi organiser cette Rwanda, mettre aussi des moyens. Telle information nous couvre bazo panza auprès de la population pour la recherche traumatise la population congolaise. Pour la nini, gouvernement congolais bozawana, vous ne faites rien. Mettez les moyens. Nous les faisons avec des moyens de bord, par nos propres moyens, au risque même de nos vies. Qu'est-ce que nous gagnons? C'est parce que nous sommes des patriotes. Mais c'est à l'État congolais de mettre des moyens comme Rwanda fait. Rwanda recrute même au sein du Congo. Rwanda recrute même des journalistes congolais. Bouébi Yango, les journalistes à Kachobo, ils sont payés par les Rwandais. Mais Bissouba, oh, nous défendons les Congo avec nos propres moyens. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait? Il doit aussi mettre des moyens. Parce que le Rwanda a pour mission yako c'est l'information erronée pour créer psychose dans les Congolais. Voilà pourquoi monsieur Toyak a toujours recadré des fausses informations. Qu'on pèse la vraie information parce que nous avons des sources fiables sur le terrain. Il y a toujours Senga dans le gouvernement congolais. Ba baisser boîte, bo telima, bo aider mboka oyo au chef de l'État. Peuple congolais a renouvelé confiance et pas na yo. Yeba ke ba collaborateur na yo bazo aider yo te. Des ministres sont là. La ministre, oh, bah, on se bousculer. Mais la ministre, intérêt Congo et Taliban. À l'heure actuelle, si on s'est mauvais casting, le gouvernement, le collaborateur, le chef, c'est vous qui va en pâtir. Parce que les Congolais vont accorder aussi l'excuse de mon côté. Parce que bah, la Kissi, à travers les élections, va porter choix dans sur vous. Parce que bah, mon volonté, Jean Ayango. Malheureusement, le bah, collaborateur, bah, j'ai idéoté. Il faut faire un bon casting à vos collaborateurs. Et belé bazawana, bah on s'en la gère à Kagame. Vos collaborateurs, bah on peut faire ma fausse information. Et belé, bah j'en la mauvaise, bah fausse proposition à l'endroit du chef. Oh, chef, tcha moutou, oh, tcha oh, oh, moutou, c'est la obédience rwandaise. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État. Mandat, oh, les amis, mandat à tous les anges. Yéba pour ça, là, un bon casting. N'entourage na yo un bon casting na gouvernement. On n'a pas besoin des mêmes figures, des Kameri, des Bemba, des Bahati, les mêmes figures. Non. Il y a une nouvelle génération, Bazali, pour t'aider. Il y a qu'on matérialiser votre vision, chef de l'État. Parce que ces gens, bako aider à Tamukuru Morte, je l'ai dit. Tozanabino Awa, bako créer opposition na Katia majorité. Tout le monde a tient avec la démarche Oyo Kamere Azwaki. Comment est-ce que Kamere peut créer une majorité dans sa majorité? Vous devez comprendre. Parce qu'il voulait à tout prix faire le chantage au chef de l'État. Ils auraient réussi la mission à Kagame. Voilà pourquoi il va faire le chantage. Il a toujours poste à premier ministre pour faire la mission à Kagame dans sa gouvernement. Et nous alertons le chef. Ne jamais faire confiance à tous ces gens-là. Qui ont basana obéissance à Kagame. Beaucoup de gens basawana. Alors, chef, vous devez comprendre cela. Congola pèse sur confiance. Dans le deuxième mandat, a pèse sur désidérité à peuple congolais. Les automoni, jeunesse, à Goma, la Tomboki, passe le drapeau aux États-Unis. Il a pèse un message au clair. Bah, dit, sauf que le gouvernement congolais a continué qu'on soit dictateur américain bah, pour désavouer le gouvernement congolais, bah, autorité congolaise. Vous devez prendre ça en compte. Parce que le Congo, c'est un État souverain. Notre pays qui est agressé, mais nous voulons causer là, bah, dictateur américain, bah, lobby. Pendant que le Rwanda continue à faire tuer les Congolais la partie est de la mission. Bise photo zela la toujours, bah américain, bah libo zela, bah libo zela. Pendant que les Américains, c'est eux, bah vont soutenir les Rwanda. Chef de l'État, tout seigne na yo, peri kolingi Congo mingi. Mais yeba ke, bah entourage na bah vont aider yote. Si vous voulez réellement aider ces pays, il faut prendre bah décision courageuse. Et pour ça là que, bah ils n'ont pas comprendre que, bah Congolais bah la moki. Les Rwandais doivent retourner chez eux. C'est clair que ça. Les Rwandais doivent retourner chez eux. Des Roubaix sont des Rwandais. Des Guissaro. Des Moïse Nyarugabo.
François Robota, tous ces gens sont des Rwandais, des Camerounais, doivent retourner chez eux au Rwanda et laisser le Congo au Congolais. Ce sont des questions, autre chose à très rigoureuses dans la question. Que l'on ait complaisance, la naïveté dans les chefs des Congolais. Tout le monde a le président burundais, à Ochokanga frontière. Il a expulsé tous les Rwandais dans le Panabango. L'année passée, Kenya l'avait fait. Il avait expulsé tous les Rwandais par la Bango. Pourquoi pas Bisson à Congo Awa, tous les gens qui sont dans le Bango. Ils ont leur terre qui est le Rwanda. Bah, on s'est mis des ordres dans le Mboka Awa. Ils sont là, ils ont pris des armes pour tuer les Congolais, pour s'imposer dans ces pays. Mais les Congolais n'en parlent pas. Bah, la facilité en latine. Les Rwandais doivent retourner chez eux. Les Congolais n'est pas leur pays. S'ils veulent qu'on vende dans le Congo, ils doivent respecter les lois du pays. Mais comment est-ce que nous les avons accueillis dans notre pays, mais ils prennent des armes pour nous tuer? Jamais nous pouvons accepter ça. Alors, les dirigeants congolais, les gouvernements congolais, il ne faut pas traiter le problème Wana. On ne peut pas nous imposer un État souverain. Il y a tout le monde le combat congolais, dans le cannabis. Non, les Rwandais sont des Rwandais. Il n'y a pas de tribu touche dans ces pays. Il n'y a pas de tribu banyamulenge dans ces pays. Ce sont des Rwandais. Bah, qui m'a dit génocide? La première vague, ils arrivent en 1959. Deuxième vague, en 1994, tu es même comme des réfugiés. Guerre dans Rwanda, ceci, là. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Ils sèment des terres dans notre pays. Bah, à la longueur de la journée des Congolais. Et on vit eux aussi de tout le monde. Et personne n'en parle. Alors il faudra maintenant, bisous ma Colomboka, qui va causer la responsabilité de la Congolais. Il faut les refaire dans leur pays. Il faut les expulser dans leur pays. Voilà, c'est là qui va bien mon Mboka Marcel. Que maintenant qu'il y a un peu partager la situation politique, la sécurité de Mboka Nabiso. Boyebake, les États-Unis ont commis à mener diplomatie pour le Rwanda. Demandez à Anthony Blinken comment j'ai sillonné l'Afrique. À cela qui n'Angola, l'Angola avait envoyé son émissaire auprès du chef de l'État pour plaider pour un dialogue. Le président avait refusé catégoriquement. Demandez la minute Oyo à Ocho Kouta, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, pour ayebi que Uhuru Kenyatta entretient de bonnes relations avec Félix Tshisekedi pour que Asenga, notre président, a négocié avec le Rwanda. Ils allaient insulter au peuple congolais. Donc pour les Américains, les morts au Bakoufa na Congo, jour pour jour, et le même comme mon côté. Alors, voilà Bissot. Tout s'adhérer dans la position chef de l'État na Bissot. Il n'y aura pas de négociation. S'il faut nous tuer, Bissot na Katia Mboka na Bissot. À la jeunesse congolaise, totalement, dans la manifestation, totalement avec la politique hypocrite et l'américain contre notre pays. Tout élément. Tout le monde, la jeunesse, il y a Goma, la télémati, même le drapeau aux États-Unis, la carte à Goma. Bisopé, que toutes les provinces, il y a Congo, la jeunesse, la télémati, tout ça, la manifestation, il y a ma taxi, des grandes envergures, pour dénoncer ces complots encore, il y a États-Unis contre notre pays. Voilà, Isaac Wabino, le sénateur Marcel, tu m'as un peu pour partager ma situation en Mboka na Biso. Que les chefs comprennent que les Congolais sont tous les laïcs. Parce que tu penses qu'il y a un deuxième mandat pour nous résoudre nos problèmes. Alors, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas à faire confiance. Moi, je pense que la meilleure solution dans ma métallie armée, c'est de permettre tous ces généraux ici des groupes armés au bas de la partie est en Mboka na Biso. Kozoba au bana ouest, bana est. Pourquoi ne pas Kozoba? Kozoba de la Chico Chitambe, John Chibangu. Bah, qu'il est dans la partie est. Parce que tous ces généraux ici des groupes armés, je vous dis, ont des acquaintances avec les rebelles rwandais, M23. Bah, ça est de mon côté. Parce que pour la bango, bazana campé dans leur position. Bah, on a la M23 progresser pour pas attaquer. Pourquoi ne pas aller à l'assaut? Il y a ma position en M23 pour combattre dans le dehors. Donc, il y a un abino, il y a un M23 à attaquer. Pendant que le territoire est violé. Mais il y a un abino, il y a un abino,
que les M23 puissent progresser pour nous réagir. Et sa complicité. Moi, je pense que vous devez les attaquer dans toutes leurs positions simultanément. Simultanément, toutes les positions sont attaquées dans toutes les positions. Je pense que guerre Oyo, et que ça même pas 3 semaines, 1 mois, et que si là, au lieu qu'on va aux attentistes, que vous êtes là, que les M23 viennent vous attaquer pour réagir. Moi, je pense que c'était ça, et ça qui a bino, moi, dans mon cas, Marcel, tu m'étais un peu qu'on partageait la situation. Sécurité, na go, mais pour la situation politique, il y a un mot qui a chef de l'État a scellé dans le chantage de la politicien. Parce que Bazawana est belé dans la gère à ennemi. Et puis, au militaire, na front, que les chefs a mis un peu comment ça, une nouvelle génération. Il y a un officier, ba aidé. Comptez à ces généraux qui ont travaillé avec Kabila, il n'y aura pas de solution. Bako ben la guerre, eux, toujours à la longueur, au profit d'avoir parce qu'il y a un commerçant. Bah, ça, il y a un côté. Voilà un peu ça qui a mis mon amboka Marcel. Mon numéro c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. Tout le monde à la prochaine. Bye bye.